Évaluation diagnostique. Grammaire. Conjugaison. Orthographe. Pages 10 et 11. Parcours français. Grammaire. 1. Je souligne le groupe nominal sujet et j'entoure le groupe verbal dans les phrases suivantes. A. Mes cousins ont passé les vacances d'été en Italie. B. Asma Bougibar est la première femme marocaine à intégrer la NASA. C. Vous aimez lire des histoires. Mes cousins. Le groupe nominal sujet. On passait les vacances d'été en Italie. Le groupe verbal. Asma Bougibar. Le groupe nominal sujet. Et la première femme marocaine à intégrer la NASA. Le groupe verbal. Vous. Le groupe nominal sujet. Aimez lire des histoires. Le groupe verbal. Deux. Je transforme la phrase suivante en une interrogative en utilisant l'inversion du sujet. Les élèves sont contents de revenir à l'école. Les élèves sont-ils contents de revenir à l'école? Je réécris les phrases suivantes à la forme négative. A. Il arrive toujours en retard. B. Nous sommes partis en voyage. Il n'arrive jamais en retard. Nous ne sommes pas partis en voyage. Quatre. Dans les phrases suivantes, je souligne le complément d'objet direct et j'entoure le complément d'objet indirect. A. Le professeur s'adresse aux élèves. B. Vous parlez des vacances d'été. Aux élèves. Le complément d'objet indirect. 'Des vacances. Le complément d'objet direct. 'D'été. Le complément d'objet indirect. 'Conjugaison.
Je conjugue les verbes mis entre parenthèses au temps indiqué. A. Il. Avoir. Un joli cartable. Présent de l'indicatif. B. Elle. Rentrer. De vacances. Passé composé. C. Nous. Faire. Nos devoirs. Présent de l'indicatif. C. Vous. Allez. À la campagne chaque mois. Imparfait de l'indicatif. E. Il. Applaudir. Les artistes marocains. Présent de l'indicatif. F. Protéger. L'environnement. Impératif présent, première personne du pluriel. G. Tous les élèves. Être. Présent. Présent de l'indicatif. H. Je. Se lever. Tôt. Présent de l'indicatif. He. Il. Partir. En voyage demain. Futur simple. J. Tu. Sortir. Passé récent. K. Elle. Arriver. Demain matin. Futur proche. A. Il a un joli cartable. Elles sont rentrées de vacances. C. Nous faisons nos devoirs. Vous alliez à la campagne chaque mois. E. Ils applaudissent les artistes marocains. F. Protégeons l'environnement. G. Tous les élèves sont présents. H. Je me lève tôt. I. Ils partiront en voyage demain. J. Tu viens de sortir. K. Elle va arriver demain matin. Orthographe. 1. Je complète les noms féminins suivants avec et, ou, et, entrée, liberté, matinée, soirée, dictée, volonté. 2. Entrée. Liberté. Matinée. Soirée. Dictée. Volonté. Deux. Dans chacune des phrases suivantes, j'entoure le verbe qui convient au sujet. A. Les élèves sont et dans la cour de l'école. B. Nous rangeons nos affaires. C.
Ils sont et contents. Les élèves sont dans la cour de l'école. Nous rangeons nos affaires. Ils sont contents. Trois. Je mets l'accent qui convient là où il faut. Écolière, mosquée, forêt, frère, château, piqûre, élève, fête. 4. Je complète avec c, q, c, k, ou ch. Cinq. Colombe. Stock. Kangourou. Casque. Technique. Cinq. J'écris au pluriel les noms suivants. A. Genou. B. Festival. C. Journal. D. Bijoux. Genou. Festival. Journaux. Bijoux. فضلا وليس أمرا ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة فهذا يدعمنا كثيرا.